faisions donc le constat précédemment que ce qui arrive avant conditionne ce qui arrive après. Ce qui, ramené au cadre des consoles, voudrait dire que la manette conditionne les jeux qui sortiront par la suite. Ramené au cadre du PC, cela voudrait dire que les jeux qui ont précédé la sortie du Steam Controller conditionnent celui-ci. Il faut donc bien comprendre que nous sommes loin du scénario d'une manette classique qui arrive au lancement d'une console, qui n'a donc plus d'attache au passé, plus de rétrocompatibilité à supporter, et qui donc peut se permettre complètement de se tourner vers le futur, vers l'innovation, même si au final c'est rarement le cas. Sur le plan matériel, le Steam Controller ne pouvait donc déjà à la base pas être révolutionnaire, car contrairement à une manette console, son action est d'abord dévouée au passé, plus exactement à tous les jeux déjà sortis sur PC, là où une manette classique se dédie à ce qui sortira sur la console qu'elle accompagne. Le Steam Controller arrive donc en terrain déjà conquis, et comme toute chose étrangère qui arrive en un milieu déjà habité, elle est d'abord devoir faire l'effort de s'adapter aux habitudes de ce territoire avant même de songer à innover. Et dans ce cas précis, s'adapter à la jouabilité des manettes et à la fois à la jouabilité du clavier souris. Et c'est seulement dans cet effort d'adaptation que le Steam Controller allait pouvoir faire preuve d'innovation tout en faisant preuve de classicisme. Le classicisme d'abord, pour répondre aux nécessités de jouabilité des jeux consoles justement. Ces titres se jouant déjà à la manette, et le Steam Controller prévoyant lui-même d'en être une, n'avait qu'à transposer sur son physique certains des contours les plus appréciés des autres manettes, pour garantir aux jeux consoles une prise en main assez confiante. Et d'innovation ensuite, pour répondre aux nécessités de jouabilité des jeux plus typiquement PC, ces titres se jouant au clavier et à la souris, ce qu'une manette est physiquement loin d'être, on comprend instantanément qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour rapporter autant dans si peu, aussi bien sur le plan de l'ergonomie que sur celui des fonctions qu'ils incarnent. Autrement dit, il est plus facile de transposer les jouabilités des jeux typés console sur une autre manette, puisque ça reste avec ce genre de périphérique qu'ils se jouent habituellement, que de transposer la jouabilité des jeux plus typiquement PC, dont les périphériques de commande diffèrent beaucoup physiquement de la manette. La gymnastique pour mimer la jouabilité de ces jeux-là sera donc déjà plus périlleuse. Mais là où d'autres ont tenté cette association matérielle difficile sans vraiment y parvenir, Valve s'en est très bien sorti, sauf que cela n'est pas vraiment visible au premier coup d'œil. Car si on visualise bien la transposition d'une manette et de la souris dans les contours du Steam Controller, et qu'on devine très timidement le clavier dans le nombre assez important de boutons, on sent bien que celui-ci n'est pas vraiment présent en surface et que c'est probablement parce qu'il ne saute pas aux yeux que Valve n'a pas trop osé évoquer son incarnation dans le Steam Controller et centrer sa communication dessus. Mais aussi probablement parce que le clavier n'est pas le périphérique de jeu le plus sexy en termes de pratique, mais pourtant pas le moins utile. Mais si Valve ne l'a pas trop évoqué, il est pourtant probablement le périphérique avec la manette, le mieux reproduit dans le Steam Controller. Sauf que celui-ci l'a été de manière complètement invisible. Et s'il est invisible, c'est parce qu'il s'incarne que très peu dans le matériel, et surtout dans le logiciel du Steam Controller. Preuve que le logiciel peut remplir de possibilités le matériel sans le rendre pour autant plus imposant, là où le matériel à lui seul est souvent obligé de prendre en volume pour en faire davantage. Le logiciel est au matériel ce que l'intelligence est au corps. Probablement l'inventivité qui a permis à nos capacités primaires de se multiplier en plein d'autres, plus sophistiqués. Et c'est cette intelligence logicielle-là qui va permettre au corps déjà polyvalent du Steam Controller de décliner chacune de ses fonctions de base en beaucoup d'autres plus inattendues. Thank you.
Ceux qu'on voit le moins ne sont pas les moins importants. Mais si personne ne les pointe du doigt, tout le monde s'arrange généralement pour les oublier. Il semblerait que cette tendance se confirme pour le Steam Controller, puisque Valve a clairement mis les projecteurs sur le plus visible mais le moins important de leur manette, plutôt que de les mettre sur le moins visible mais le plus essentiel, à savoir le logiciel et le clavier. Valve a concrétisé une innovation logicielle et l'a mise au second plan, pour n'exhiber que les contours d'une manette fourre-tout. Et si leur manette est en effet déjà très polyvalente sur le plan strictement matériel, entre les pattes tactiles, les poignées arrière, les gâchettes à deux niveaux d'activation et le gyroscope, elle le devient encore plus grâce au logiciel associé qui va permettre à chacun de ces éléments de commande de mimer le comportement de plusieurs autres. Les pattes tactiles pourront par exemple devenir une croix directionnelle, un joystick de déplacement ou de caméra, des boutons X, Y, B, A, un seul bouton, une souris, une molette de défilement ou encore un menu tactile, un menu circulaire ou une souris de région, c'est-à-dire limité à une certaine zone de l'écran. Quant aux boutons eux-mêmes, peuvent par exemple devenir plusieurs autres, selon qu'ils soient pressés normalement, longuement deux fois, ou qu'ils soient appuyés ou relâchés, voire combinés à un autre. Les caméras et les déplacements peuvent changer de comportement ou de sensibilité à la pression d'un bouton choisi au préalable, et une configuration entière de jeu peut entièrement changer sur le même principe, ce qui peut par exemple permettre de libérer tous les boutons pour une configuration exclusive au jeu et une autre qui le sera exclusive au menu. Il ne s'agit là que d'un survol rapide des possibilités du Steam Controller, dont chacune d'entre elles est encore largement paramétrable une fois sélectionnée. Valve a donc manqué de valoriser et d'expliquer son outil d'édition très complexe, dont la coquille certes déjà complète, ne peut cependant que très mal retranscrire du dehors ce qu'il est possible de lui faire du dedans. De la même façon que la voiture de K2000 aurait déjà l'air très complète de l'extérieur, mais inaboutie sans le logiciel vedette qui va avec pour booster ses capacités. Cette vision faussée de la manette a incité la presse et les youtubeurs à encore fonctionner sur le réflexe jusque-là logique de ne tester une manette qu'en tant que matériel et donc à ne la juger que sur son ergonomie. Car il faut bien réaliser que si jusque-là on pouvait juger rapidement de la qualité d'ensemble d'une manette, c'est justement parce que dans l'ensemble, il n'y avait que ce critère qui importait. Parce que jusque-là, une manette n'était qu'un moyen de connexion à la jouabilité décidée par un développeur et non un outil d'édition de jouabilité décidé alors par chaque joueur. Autrement dit, comme il n'était question que de tenir la manette, il valait mieux alors qu'elle se tienne bien. Et ça n'allait pas plus loin. Du coup, personne n'a vraiment pris le temps de bien comprendre qu'avec le Steam Controller, la maniabilité ne dépendait pour une fois non pas que de la prise en main stricte et immédiate de ces dernières, mais aussi et surtout de celle que son logiciel associé permettait de créer. Là où les autres manettes arrivaient donc avec une prise en main optimale mais une jouabilité non interactive, le Steam Controller arrivait avec une prise en main déroutante, une jouabilité personnalisable. C'est évidemment inintéressant pour ceux qui veulent profiter rapidement d'un jeu, surtout si ça doit commencer par se faire avec un ou deux pads tactiles déjà déroutants, et ça veut aussi dire que si un jeu possède une mauvaise jouabilité de base, vous aurez le choix entre subir cette erreur de conception avec un système de jouabilité fermé ou de la corriger, au moins en grande partie, avec un Steam Controller. Je dis en grande partie, car s'il y a une chose qui devient encore plus évidente à force de pratiquer le Steam Controller, c'est que la qualité d'une jouabilité dépend aussi du timing des animations d'un jeu, et que le joueur ne peut évidemment pas intervenir directement sur elle avec le Steam Controller. Il peut cependant en accélérer l'exécution, fluidifier la transition entre chacune d'entre elles, et même parfois l'annuler en les regroupant sur une même pression de bouton, alors qu'au départ, elles s'exécutaient l'une après l'autre, et ainsi alléger la lourdeur d'un gameplay trop haché. Il ne faut cependant pas non plus s'attendre à des miracles, mais plutôt à des améliorations plus ou moins grandes en fonction des jeux. Cela peut paraître insuffisant, mais le « un peu mieux » n'est-il pas potentiellement la seule chose qui sépare un bon joueur d'un très bon, voire un joueur manette d'un joueur clavier-souris. Rien n'est moins sûr. Tout ça pour dire que si l'amélioration n'est pas révolutionnaire, elle peut suffire à vous donner des avantages sur d'autres joueurs, à vous donner une petite avance sur certains périphériques et à rattraper un retard sur d'autres. Avec un peu d'imagination et en songeant aussi à son utilisation principale. Le clavier est, en dehors de son physique ingrat, un bel instrument, particulièrement bien pensé.
On pourrait du coup sérieusement se demander pourquoi Valve n'a pas osé associer davantage sa manette à cette réussite. Le problème, c'est que Valve ne fait pas de musique, mais du jeu vidéo, et cela fait toute une différence. L'illustration la plus pertinente du trop de visibilité que Valve a donné à son matériel au détriment de son logiciel, c'est l'oubli total de souligner que malgré le pari matériel partiellement réussi d'ajouter une souris dans une manette à peine plus grande que les meilleures du moment, il y a surtout la réussite logicielle d'y avoir parfaitement intégré un clavier, censé être plus gros encore. Logiciel qui devient aussi la béquille de luxe des parties les plus bancales du matériel, qui se casserait probablement la gueule sans lui. Mais restons-en au clavier. Les avantages premiers du clavier, c'est de permettre le maximum d'assignation d'actions en donnant la possibilité de toutes les individualiser grâce à ses nombreuses touches, mais qui sont tellement dispersées qu'il est difficile de considérer l'ensemble comme un véritable périphérique de jeu. Mais ce dispersement entraîne un avantage en même temps qu'un problème évident d'ergonomie. Et cet avantage, c'est la variabilité des prises en main du clavier d'un joueur à un autre. Certains se contenteront de se déplacer avec le W à SD classique, d'autres iront chercher le déplacement plus vers le centre ou les touches directionnelles. Certains utiliseront les raccourcis des armes et d'autres simplement la molette de défilement pour les sélectionner. Et le Steam Controller reproduit parfaitement ces deux avantages en ajoutant celui qui manque au clavier, l'ergonomie. Autrement dit, il permet à la fois un maximum d'assignation d'action tout en offrant celui d'une grande variété de prise en main du périphérique. Le tout en l'espace restreint d'une manette. Le premier avantage, il le reprend en offrant avec son logiciel la possibilité de décliner ses 20 boutons de base en au moins 60 autres grâce à la possibilité de les appuyer d'au moins 3 façons, normalement, deux fois ou longuement. Mais il ne s'agit là que de la première ligne de lecture du logiciel. Ces 60 assignations ne sont que le nombre à peu près maximal qu'un profil de configuration peut contenir. Mais il est possible de créer plusieurs profils de configuration et il suffit de réserver un type de pression de bouton pour passer de 60 assignations à 60 autres. Les 60 assignations peuvent donc être facilement doublées, triplées et bien plus encore si nécessaire. Quant au deuxième atout du clavier, à savoir la variabilité des prises en main qu'il permet, sur le Steam Controller, cela se retrouve sur la capacité de transformer par exemple ce qui est habituellement les pads tactiles en boutons d'action ou en pads directionnels ou encore en joystick de déplacement. Il en va de même pour les boutons, qui peuvent aussi simuler une souris, un pad directionnel ou un joystick. Le joystick et le pad directionnel directement peuvent également simuler des rôles complètement inverses à ceux qu'ils adoptent d'origine. Il ne s'agit là que d'exemples, car il serait trop long de détailler l'ensemble des possibilités. Bref, il est possible d'intervertir le positionnement habituel des systèmes de visée de déplacement ou celui des boutons d'action pour correspondre à des prises en main plus originales, qu'elles soient incitées par le style de vos jeux ou simplement par votre curiosité. La réunion des deux avantages du clavier dans une manette a son importance, car jusque-là, transposer les jouabilités PC sur console a souvent été source de simplification de gameplay pas toujours judicieuse. Je pense par exemple à l'action de se pencher hors zoom dans Rainbow Six Siege qui est éliminée sur console. Certains gameplays PC semblent d'ailleurs si inappropriés sur console que des genres de jeux entiers n'y sont que peu adaptés car moins praticables à la manette qu'au clavier souris. Autre exemple de l'importance du clavier et donc de la nécessité d'en reproduire les avantages, si un jeu PC propose une sélection d'armes importantes, celles-ci auront chacune une touche attribuée sur le clavier, alors que sur console, il pourra plutôt s'agir d'un menu d'armes les contenant toutes, dont l'ouverture ralentira en arrière-plan l'action du jeu, pour que vous puissiez prendre le temps de choisir votre arme sans être pénalisé par la perte de temps qui naviguer impose. L'illustration même d'un aveu de faiblesse, qui deviendrait rédhibitoire dans des jeux compétitifs en ligne où le temps de réaction doit être minimal. Vous pourriez cependant toujours m'objecter que sur clavier, comme les touches sont éloignées, que la perte de temps pour les atteindre serait tout aussi importante que celle de naviguer dans un menu, et vous auriez peut-être raison. Mais avec le Steam Controller, vous n'auriez rien à redire, car il permet les avantages des deux sans en avoir aucun des inconvénients. Vous pourriez en effet mettre sur des boutons de manette, donc à proximité les uns des autres, des touches de clavier qui y étaient donc éloignées. Vous pourriez par exemple très simplement mettre sur X, Y, BA, en pression simple, 4 armes, et en pression longue, 4 autres, et encore 4 de plus si vous ajoutez la pression double, ce qui vous en ferait 12 à portée de doigt. Vous pourriez même transformer, juste le temps de choisir une arme, le pad tactile qui vous sert de souris en ces 4 mêmes boutons pour ne pas avoir à quitter votre système de visée du doigt lors de la sélection d'une arme.
donc bien une chose que le Steam Controller fait parfaitement avec son logiciel, c'est cette transposition fidèle mais condensée en une manette des deux grands avantages du clavier, permettant ainsi à des jeux nativement bourrés de commandes de se jouer plus fidèlement et facilement à la manette, et à ceux qui se jouaient déjà à la manette de s'y jouer avec encore moins de boutons et donc encore plus simplement. L'argument est évidemment moins fédérateur que la promesse de retrouver la précision d'une souris dans une manette, mais cela devrait au moins interpeller les joueurs PC qui sont directement concernés par l'inconfort du clavier, certes très polyvalent dans ses utilisations générales et dans le jeu vidéo sur PC, mais à l'évidence pas nativement pensé pour lui. En effet, il est assez cocasse de se dire qu'un loisir aussi moderne que le jeu vidéo se joue avec un périphérique qui lui a très peu changé avec le temps. Jouer au jeu vidéo avec une machine à écrire, c'est un peu comme si aujourd'hui, pour s'éclairer, nous utilisions encore les bougies, ou c'est comme si aujourd'hui, pour se déplacer, nous utilisions encore les chevaux. Et c'est pourtant exactement ce que nous faisons. Le clavier, n'étant ni plus ni moins une machine à écrire moderne, il est alors logiquement noyé de touches, et conçu du coup pour être pratiqué à deux mains, pour pouvoir toutes les presser le plus rapidement possible. Deux mains qui, même si elles se déplacent très vite, ne font qu'appuyer et sauter sur l'objet, mais sans jamais le tenir. Ce qui est loin d'être idéal dans le cadre du jeu vidéo, surtout que dans ce cadre-là, plus qu'une seule main ne s'y trouve, impliquant des déplacements plus grands encore, pour atteindre des touches du coup encore plus éloignées. Déplacements qui sont retranscrits en jeu comme autant d'instants de vulnérabilité, de brèves absences de contrôle pénalisantes qui offrent à un adversaire virtuel un temps d'inaction lors duquel vous êtes potentiellement à sa merci. Une contrainte dont parlent pourtant peu les joueurs PC, même professionnels, tant ils sont obnubilés par l'ergonomie et la réactivité inversement meilleure de la souris. En plus d'être pratiqué à une main au lieu de l'être à deux, comme l'indiquerait sa fonction d'origine, le clavier est pratiqué plus particulièrement de la main gauche pour les droitiers, ce qui est un défaut d'autant plus grand lorsqu'on constate que le clavier est un périphérique qui ne s'attrape pas et qui sent même s'attraper, et le périphérique qui exige de la main maladroite qu'il utilise d'en faire beaucoup plus que la main habile qui, de l'autre côté, s'occupe d'une souris qui ne demande quasiment que de viser. C'est en effet de cette main qu'on utilise généralement en seconde intention qu'il faudra pourtant s'occuper des déplacements latéraux, de sauter, de sprinter, de s'accroupir, de s'allonger, de marcher, d'interagir, de se pencher à droite ou à gauche, de sélectionner les armes ou encore d'ouvrir des menus de pause ou de jeu, alors que de l'autre côté, il ne s'agira que de viser, zoomer, tirer et recharger de notre main favorite, qui sera en plus côté souris, assistée du poignet, voire du bras entier, ce qui au passage offre une emprise bien plus stable que tous les pouces ne pourront jamais permettre sur un analogique ou sur un pad tactile. Bien que sur manette, la dispersion des tâches entre chaque main soit bien mieux répartie. C'est donc tout de même une drôle d'équation. D'un côté, un clavier difficile à prendre en main, qui en demande davantage à la plus maladroite des deux, et de l'autre, une souris facile à tenir, qui ne demande presque que de viser à notre bras favori. Il était évident, avec cette inégalité de confort d'un côté à un autre, que le clavier souris pouvait être la réponse définitive aux possibilités d'ergonomie et de réactivité auxquelles les périphériques de jeux vidéo peuvent encore prétendre. Essayez-vous de nous dire que le Steam Controller a réussi le pari d'offrir une égalité de confort d'un côté à un autre, contrairement au clavier souris? Pas spécifiquement le Steam Controller, mais la manette de manière générale. Tout d'abord, reprenons le schéma que je présentais il y a quelques secondes. Ce que je voulais y expliquer, c'est que globalement, une manette équilibre bien mieux la répartition du poids et des tâches entre la main gauche et la main droite, et que pour un droitier par exemple, il est logique que la main gauche en fasse globalement moins, et surtout qu'elle ne soit pas soumise à des missions de précision, puisque c'est le propre de cette main d'être moins précise dans ses gestes. Cette égalité de confort d'une main à une autre a donc déjà été acquise sur les manettes classiques. En effet, chaque main y porte une moitié de manette, et la main gauche est sollicitée pour des actions moins complexes. Là où dans le clavier, la main faible s'occupe de la moitié de périphériques plus encombrantes et demandeuses d'actions, alors que la moitié droite est plus simple et confortable à gérer. Ce qui est un non-sens, c'est un peu comme si un droitier, en sortant de son supermarché, décidait de porter son pack d'eau de la main gauche et son sachet de légumes de la main droite. Et en effet, le Steam Controller pousse encore la logique plus loin que les manettes classiques, en ajoutant à cette bonne répartition matérielle la capacité logicielle de répartir les actions d'un jeu, bon vous semblera. Que ce soit pour
augmenter ou réduire le nombre d'actions que chacune de vos mains réalisera. Le Steam Controller permet de faire une pesée beaucoup plus précise de l'implication matérielle et logicielle que gère chacune de vos mains et de l'ajuster en fonction de vos préférences. Mais il est loin d'être la réponse finale aux problématiques de jouabilité que je viens de soulever. Disons qu'il est le premier pas vers un questionnement plus global entre les avantages des périphériques consoles et ceux du PC, probablement parce qu'en reprenant des éléments des deux bords, il en questionne et en surligne du coup beaucoup mieux que quiconque les avantages et les inconvénients de chaque. Ce questionnement, il le pose entre autres évidemment sur la capacité des manettes à reproduire la précision de la souris. Et si le Steam Controller ne réussit pas à rivaliser intuitivement avec cette précision, il met par contre le pourquoi de cet échec bien mieux en évidence que les autres manettes. Non pas parce qu'il échoue plus que celle-ci à l'égaler, mais parce qu'en nous incitant à améliorer notre jouabilité et du coup à nous rapprocher du fameux objectif, il nous pousse au cours de nos nombreux essais de configuration à nous questionner sur la meilleure façon, logicielle et matérielle, d'y parvenir. Et à force d'échouer à y parvenir avec les solutions présentes, on finit par en déduire les solutions manquantes qui nous auraient peut-être permis de réussir. C'est donc en éliminant les mauvaises pistes qu'on finit par en déduire les bonnes, et le Steam Controller, grâce à son extrême configurabilité, permet d'en éliminer énormément. Par exemple, le pad tactile met en évidence que même si on cherche à miniaturiser le tapis de souris et la main par le pavé tactile et le pouce, il manquerait au final l'emprise que la main entière garde constamment sur la souris, que le pouce ne peut avoir sur le pavé tactile, tout comme il manquerait l'amplitude de mouvement que le poignet et le bras donnent ensemble à la souris, là où le pouce se charge seul, avec sa mobilité plus réduite, de gérer la visée sur le pad tactile. D'ailleurs, pour compenser ce défaut, mais sans complètement le corriger, intervient rapidement le gyroscope du Steam Controller, souvent repris comme solution complémentaire au pad tactile pour rivaliser plus sérieusement avec la souris. Là encore, le gyroscope, sans réussir à hisser la précision du Steam Controller au niveau de celle plus intuitive de la souris, donne par contre une bonne idée des conditions optimales qu'il faudrait réunir pour que le motion gaming, autrement dit, pour qu'une jouabilité par le mouvement, égalise ou dépasse intuitivement la souris en précision. Mais avant de songer aux solutions pour y parvenir, il faut souligner que si la souris est si précise, c'est bien parce qu'elle fait aussi, depuis bien longtemps, du jeu en mouvement. Et bien qu'on ne songe généralement pas à la classer dans ce genre de jouabilité, le mouvement de la souris qui est traduit à l'écran n'est pourtant pas dû à la pression d'un bouton, comme c'est le cas pour les pas latéraux sur clavier, mais bel et bien dû au déplacement d'un périphérique très bien détecté dans l'espace. Il me semble que c'est bien ce qui sépare le jeu en mouvement d'une jouabilité plus classique. Opposition au passage parfaitement illustré entre la souris et le clavier, entre un périphérique qui tarde toujours à se moderniser et un autre qui a été rapidement en avance sur son temps, précurseur d'un jeu en mouvement qu'on ne lui reconnaît que très peu. Et si on ne lui accorde généralement pas cette classification, c'est que l'espace de détection est dans son cas limité à celui d'un bureau sur lequel est posé notre bras avec la souris. Alors que généralement, on a tendance à valider le jeu en mouvement que lorsque le périphérique détecté est tenu par un bras qui le maintient en suspension dans le vide, et non contre un support ferme. Support ferme, autrement dit table ou bureau, qui rappelle au passage les limites du jeu en mouvement de la souris. En effet, la détection des mouvements de la souris, ne se faisant que par le frottement de celle-ci à un support plat, rappelle que son mouvement manquera toujours d'une profondeur verticale et horizontale. Ce qui contraint aussi notre bras à se déposer sur un rebord de table, pas des plus confortables, et probablement à une tension de l'épaule qui doit se rehausser pour accompagner la position du bras. La restriction de mobilité existe aussi dans le jeu en mouvement sur manette, mais n'est pas vraiment du même ordre. Le jeu en mouvement n'y est pas limité par une table, mais d'abord par la tenue de la manette elle-même. En effet, contrairement à la souris qui est saisissable d'une seule main, la manette nécessite forcément deux mains pour être utilisable, et crée alors une dépendance entre elles qui les amène à se coincer ensemble devant nous, et incite en plus de cela la première main à toujours suivre le mouvement de la seconde. Le
problème de cette dépendance est particulièrement perceptible sur les mouvements horizontaux. Si la main gauche veut par exemple tourner à droite, la main droite devra alors, pour accompagner ce mouvement, sortir de sa décontraction de départ, encombrant davantage son poignet que ne le fera la main gauche. Ce qui déséquilibre l'équitabilité de confort d'une main à une autre et rend aussi au passage la pression des boutons à ce moment précis moins confortable. Sur le plan vertical, il est aussi difficile d'incliner la manette vers le bas parce qu'elle est généralement posée sur nos cuisses qui bloquent l'accès aux hauteurs inférieures. Les cuisses sont d'ailleurs aussi l'obstacle que rencontrent les mains pour bien effectuer les mouvements horizontaux. Pour résoudre ces deux problèmes, il suffit donc logiquement de mettre la manette en suspension pour l'éloigner des cuisses et ainsi débloquer l'amplitude qu'il manquait à nos poignets pour mieux bouger aussi bien sur le plan vertical qu'horizontal. Il est aussi préférable de jouer avec un pouce sur chaque patte tactile et non avec l'un des deux sur l'analogique pour équilibrer la position de base et faciliter les torsions de poignets qui suivront. Mais pour moi en tout cas qui traîne des tendinites et des problèmes de dos, et probablement dans une moindre mesure pour n'importe qui d'autre, si cette solution donne en effet l'amplitude qu'il manquait au gyroscope du Steam Controller pour bien fonctionner, elle a par contre le désavantage net d'impliquer de porter sa manette et d'éloigner ainsi de la sédentarité confortable qu'on recherchait dans celle-ci. Porter une manette à deux mains n'a rien d'aussi naturel que de le faire lorsqu'elle est séparée en deux poignets, comme c'est le cas dans la réalité virtuelle. Lorsqu'il s'agit de porter un objet léger et de taille réduite, surtout durablement, il n'est jamais logique de le porter devant nous à deux mains et en suspension, même si nos bras reposent en partie sur des accoudoirs ou sur un bout de table. C'est déjà inconfortable à un seul bras, alors à deux bras, ça n'a carrément plus aucun sens, car la tension musculaire créée par la suspension de nos bras devient plus encombrante que le poids de l'objet lui-même. Vous pourriez porter un sachet à bout de bras, ce n'est pas le poids du sachet lui-même qui finira par fatiguer vos bras, mais le poids de ces derniers ressentis en suspension. Des objets qui n'ont quasiment pas besoin d'être portés devraient donc permettre à chacun de nos bras de garder leur mobilité intacte, puisque leur légèreté ne justifie pas une organisation musculaire plus contraignante. Une fois porté, le Steam Controller ne deviendra donc évidemment pas lourd pour autant, mais plus encombrant. Rien qui ne devrait empêcher les plus avides de précision de s'y habituer, et qui rappelle tout de même que viser avec un objet qu'on porte devant soi à deux mains n'est clairement pas la technique la plus intuitive pour viser. Tout comme il est déconseillé de tirer en cloche à deux mains, au basket, au handball ou encore à la pétanque. Le bras et la main ont une amplitude de mouvement bien meilleure individuellement qu'attachée à l'autre. Ce qui nous amène à dire que dans le cadre du motion gaming, jouer avec une manette revient en fait à jouer avec des menottes. Cela devrait mettre en évidence qu'une manette est surtout faite pour être posée durablement sur nos genoux et non levée et bougée durablement. Après coup, on réalise qu'il est vraiment absurde que certains perçoivent toujours le jeu en mouvement comme un gadget raté, dont le Kinect par exemple en serait l'une des meilleures preuves, et qui, dans le même temps, se persuade de la supériorité de la souris sur tout autre périphérique de jeu, sans même songer à l'affinité essentielle que pourtant ces deux partagent, bien plus qu'avec la manette, qui était pourtant jusque-là la seule rivale légitime désignée de la souris. L'enseignement à retenir est donc bien que non seulement le jeu en mouvement est la meilleure piste que nous ayons toujours eue sans même le savoir pour bien viser, mais surtout dans ce cadre-là, que deux mains ensemble y sont moins précises que une toute seule, l'une devenant le boulet de l'autre. Si le Steam Controller réussit bien à rassembler les caractéristiques de nombreux périphériques, en reprenant par contre celles de la manette, il s'empêche donc lui-même d'exceller intuitivement dans un jeu en mouvement indissociable d'un rapprochement plus évident de la précision de la souris, à moins éventuellement de vouloir simuler la tenue d'un volant qui correspond déjà mieux à la tenue d'une manette. Avec un peu de recul, la coopération de la machine à écrire et de la souris qui n'était pas prévue pour le jeu vidéo donnait déjà la piste plus judicieuse de séparer un périphérique de jeu en deux moitiés indépendantes l'une de l'autre, mais en deux parties malheureusement encore très inégales et surtout contraires dans leur maniabilité. Par la suite, la manette, plus symétrique et confortable, permettait d'avoir un vrai périphérique de jeu plus équitable pour chaque main, mais qui en même temps qu'elle allait offrir une maniabilité statique plus juste, allait préparer une nouvelle limite pour le jeu en mouvement. En menottant les mains entre elles, elle ne pourrait que difficilement permettre la précision de la souris que cette dernière devait à l'amplitude de mouvement large et à l'emprise ferme qu'une seule main avait sur elle.
De ces deux constats, il serait ensuite logique de découper cette symétrie confortable en deux et d'ajouter à chacune de ces nouvelles moitiés les deux types de jouabilité que le clavier et la souris incarnaient séparément, et d'associer le tout au dernier système de détection de mouvement pour obtenir deux moitiés de périphériques qui, contrairement à la manette, permettraient aux mains de bouger indépendamment l'une de l'autre et qui, contrairement au clavier-souris, seraient cette fois-ci équilibrées. Chaque partie pourrait dès lors être équitablement maniée par la pression de bouton et par le mouvement. L'une et l'autre seraient à la fois comme leur père et comme leur mère, à la fois clavier et à la fois souris, comme eux, toujours distingués par un espace de séparation, mais non plus par une ergonomie et des caractéristiques contraires. Pour se convaincre de la potentielle supériorité de ce nouveau périphérique en termes de précision par rapport à celle de la souris, il suffit probablement de se fier à la précision et à la profondeur du tracé dont ils sont respectivement capables dans les logiciels de dessin d'un côté ou de retouche de l'autre. Les questions qu'ils se posent légitimement sont les suivantes. Arrivez-vous à dessiner précisément avec votre souris dans un logiciel de retouche? Et pensez-vous pouvoir faire mieux avec des contrôleurs de réalité virtuelle dans des applications correspondantes? Donc, en résumé, vous faites un test sur le Steam Controller et vous le terminez en disant que des contrôleurs bien meilleurs que lui arriveront prochainement. Ça ne risque pas de donner très envie de se le procurer, non ? Projeter la fin d'un périphérique de jeu en prévoyant la plus grande qualité d'un autre pourrait paraître dévalorisant pour celui qui sera remplacé, mais considérez ceci comme un relais, car les déductions favorables que je viens de faire aux contrôleurs de réalité virtuelle sont également tout à l'honneur du Steam Controller, puisqu'elles ont directement été permises par lui. Le propre du Steam Controller, c'est de projeter en permanence vers le mieux, quitte à ce que celui-ci ne le concerne plus, quitte à ce que celui-ci ne soit plus de son ressort. Et s'il le permet, c'est parce que sa caractéristique première est de proposer en permanence d'améliorer sa jouabilité. Et quand il est question de s'améliorer, dans ce contexte-là ou dans n'importe quel autre, cela ne peut se faire qu'en apprenant d'abord à identifier nos défauts, puisqu'ils sont précisément les insuffisances qu'il faudra au moins aménager et au mieux corriger pour accéder à l'amélioration recherchée. Le Steam Controller est la première manette qui pousse à son introspection. Une introspection sur tous les systèmes de jouabilité qu'il rassemble en un même objet et qu'il détaille en un logiciel commun, pour pouvoir en interroger sur des milliers de jeux l'intérêt de chaque. Le Steam Controller est une manette qui incite à ce qu'on en exploite toutes les possibilités, qu'on en essaie tous les paramètres, jusqu'à ce qu'on en trouve la combinaison qui illustrera le mieux l'amélioration de jouabilité qu'on tente d'atteindre. C'est au cours de ces nombreuses tentatives de fluidifier, de faciliter notre jouabilité, que le Steam Controller pousse ainsi à chercher ses limites, à identifier ce qui marche le mieux ou le moins bien dans des milliers de contextes donnés, autrement dit tous les jeux de la plateforme Steam. Quitte à ce que cela rende au passage ses limites visibles et donc critiquables, et quitte à ce que cela permette un verdict plus éclairé et donc plus définitif de cette manette que le verdict d'une autre. Dans cette quête d'un mieux qui passe forcément par la détection préalable du mauvais, le Steam Controller pousse donc sans cesse à relever ses défauts comme un bon perdant, toujours prêt à reconnaître et à corriger ses erreurs pour la prochaine fois mieux faire. Et c'est au cours de ces passionnantes heures de configuration que le véritable intérêt du Steam Controller ressort. Avant d'être une manette parfaite pour le jeu vidéo, il est surtout une immense réflexion sur ses problématiques de jouabilité. Avant le Steam Controller, lorsqu'il y avait un problème de jouabilité, on accusait généralement les développeurs de jeux vidéo d'avoir mal fait leur travail, plutôt que les manettes d'avoir été mal conçues. La manette était un postulat de base de chaque console, auquel les développeurs devaient s'adapter, peu importe la qualité de celle-ci. La manette de la première Xbox ou celle de la Nintendo 64 était globalement ratée, mais elles ont été supportées par les développeurs et leur ergonomie n'a du coup pas vraiment posé de problème. Avec le Steam Controller, la donne a été différente. On a directement accusé la manette d'être mauvaise ou bizarre, mais on ne s'est jamais demandé si un développeur en était responsable. Forcément, en se posant la question, on en serait arrivé à la conclusion qu'il n'y en avait pas eu pour le Steam Controller. Ce qui peut sembler logique, car il n'est sorti avec aucune console. Mais cette absence d'assistance préalable des développeurs allait forcément créer un départ difficile pour le
le Steam Controller par rapport à d'autres manettes, puisque personne n'aura pensé son jeu pour lui, et il allait du coup forcément se retrouver avec une prise en main prototype, dont aucun développeur n'aura d'abord dompté les particularités pour nous faciliter la tâche. Si déjà, il pouvait persister des problèmes de jouabilité pour des périphériques autour desquels on développait des jeux, imaginez alors l'ampleur des problèmes pour une manette novatrice dont aucun jeu ne valorisait véritablement les possibilités. Forcément, il était facile de prévoir de sérieuses complications au lancement d'une manette pour laquelle rien n'a été prévu. Le Steam Controller débute donc logiquement dans les mains des joueurs comme un obstacle à ses habitudes de jouabilité. Mais après quelques semaines, voire quelques mois, ce sont les innombrables façons de contourner cet obstacle par le biais du logiciel de configuration qui finissent par devenir mémorables et surtout obsédantes. Un peu comme si Valve avait volontairement créé un problème de base pour forcer les joueurs à plonger dans les méandres de son logiciel et une fois dedans, s'y passionner pour tout ce qu'ils pouvaient y faire. La prise en main confuse du Steam Controller est donc au départ un excellent moteur de découverte de son logiciel de configuration. Et passé ce baptême éprouvant dont on sort déjà plus confiant, les simples imperfections d'une maniabilité qu'on rencontrera dans chaque jeu finiront par être autant de petites bêtes qu'on s'amusera à chercher comme autant de problèmes qu'on aura envie de résoudre. Des corrections qui deviendront une plus-value pour tous les jeux, qui peuvent finir du coup par devenir intéressants uniquement pour l'opportunité qu'ils sont de créer une nouvelle jouabilité ou d'en peaufiner une déjà faite. Il m'est même arrivé de finir des jeux que je n'aimais pas seulement pour m'assurer qu'une jouabilité que j'avais commencé à créer pour eux serait intuitive dans toutes les situations du jeu et donc jusqu'à la fin de celui-ci. Progressivement, on finit par comprendre que le problème de jouabilité est avec le Steam Controller non pas vraiment un problème, mais simplement un prétexte à la création, et plus exactement à la création d'une jouabilité qui n'a pas encore été faite pour lui. Un vide laissé béant par les développeurs, et du coup, une opportunité pour nous les joueurs de faire le travail que personne n'a fait pour lui. Si les développeurs de jeux vidéo ont jusque-là créé toutes les jouabilités des manettes actuelles, les joueurs allaient devoir créer celles du Steam Controller grâce à son outil de configuration. Le Steam Controller devient un objet dans lequel on s'implique, et grâce à l'envie perfectionniste qu'il stimule de composer sa propre jouabilité, il finit par créer une véritable appropriation de la manette. Le Steam Controller finit par devenir un moyen d'expression personnelle, avant d'être le moyen commun de simplement profiter d'une jouabilité prête à l'emploi. Il se dégage de nos sessions de jeu, une certaine fierté de les faire avec une jouabilité qui nous représente, dont le processus de création habituel d'un jeu vidéo nous privait jusque-là. On en arrive souvent à la conclusion que si on joue bien un jeu, c'est grâce à la jouabilité ingénieuse qu'on vient de se créer, alors qu'avant, on ne pouvait attribuer ce mérite qu'aux développeurs qui avaient bien pensé leur jeu. En conclusion, le Steam Controller amène à un tout autre regard sur le jeu vidéo que celui de simple consommateur. Il finit par ouvrir une réflexion chez le joueur sur les contraintes qui pèsent sur une jouabilité, sur la façon de les contourner, sur la possibilité ou l'impossibilité de le faire avec le matériel et le logiciel en possession. Et en cas d'impossibilité, sur ce qu'il faudrait ajouter ou enlever pour extraire l'objet de ses limites. C'est au cours de ces cheminements de pensée que le Steam Controller en est arrivé à me faire penser aux contrôleurs de réalité virtuelle comme des solutions parfaitement pensées pour détrôner intuitivement la précision de la souris. Et il est vraiment dommage que cette manette qui pousse tellement à la questionner sur son fond, pourtant était une manette essentiellement vendue et critiquée sur sa forme.